débrouillard, le trafic, le deal. Et si on ne pleurniche pas, peu de boulot, mais beaucoup de naissance. Si tu as de la goussie, de nid de moustique, de pas un corps de vaccin pour le paludisme. Ya, balayer la rue dans le froid, nous sommes les vieilles poubelles qui rendent la ville propre tous les matins. Si t'es non loti, si t'es mal loti, pas de papier, pas de permis urbain d'habiter, personne n'a donné l'autorisation, c'est la galère qui nous est autorisée. C'est... Vous n'avez pas l'air d'être réveillé du bon pied. Ah, il y a des jours comme cela. C'est un problème. On passe à souvent qu'un être humain. Nous savons tous que les non lotis sont des bombes à retardement qu'il va falloir désamorcer. Vous démolir, c'est tout dit. Et faire déguerpir tous ceux qui les occupent de façon anarchique. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, quelle place accordez-vous à la culture dans ce projet dit de cité écologique? La construction d'une salle de spectacle et de cinéma. Ah, aussi, nous conserverons quelques taudis pour en faire un musée. Il y a des vérités que les oreilles ne supporteraient pas d'entendre. Vaut mieux affronter la tempête d'une vérité que de baigner dans la rivière du mensonge. Laissez-moi vous aider à porter la charge. Oh, cette charge n'est pas mienne. Mais c'est tout comme. Et elle est à qui? À toi. À moi? Qu'ai-je pu faire qui vous chagrine autant? Oh. Quand là, il y a quelqu'un qui est chaussé ta chaussure. Hein? Je dis quand tu n'es pas là, quand tu pars tôt, hein, y a un gars un peu baraqué, genre bourgeois, qui vient chausser ta chaussure. Voilà! Les partenaires financiers et techniques sont prêts à nous accompagner. Ah, excusez-moi, mais il faut. Ah! Madame la ministre!